chose à président, merci beaucoup. Ensuite, j'avais tout de suite passé le micro au président de Respiro. C'est pas là, je vais vous dire. La crise. Bon, ensuite, je laisse le micro parce qu'il y a quelque chose d'important à vous annoncer. Mon ami, je retiens le micro. Merci. Merci. Et surtout, merci d'être là, mesdames et messieurs. Bonsoir. Vous avez donc un président de mon groupe qui est en mode vacances. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'aurais pas dû être là. Mais Dieu fait bien les choses. Il a voulu que je sois là, et je suis là. Je suis là, tout simplement pour vous remercier. Pour dire merci d'abord à toutes celles et ceux à cette manifestation de cet après-midi. Mais je suis surtout heureux d'être parmi vous, car j'aurais dû être dans la canicule là-bas. Je ne suis pas en canicule métropolitaine, mais je suis dans la canicule guadeloupéenne. Et c'est tout aussi bien, parce que je peux me baigner à la rivière. C'est important. Merci. Merci d'être venu. Et voyez-vous, aujourd'hui c'est un jour particulier. 10 août, où effectivement nous célébrons la clôture de l'année des manifestations du Club des aînés de vieux habitants. Et aurais-tu être parmi nous une personne importante qui nous tient à cœur, qui aurait pu être là s'il était là aujourd'hui, il aurait eu le plaisir d'animer la chorale comme il avait l'habitude de le faire. C'est le binôme de Sonia Tico à la commission culturelle. Et bien voilà. Il n'est plus là, il n'est plus là. Il aurait dû avoir normalement sa photo en fond de mur, mais ils ont enlevé un peu trop tôt le dispositif qu'il avait mis en place. Malheureusement, enfin, vous le savez, il s'agit donc d'Alcide Bélair, qui nous a quittés il y a à peu près une quarantaine de jours. Et on ne peut commencer cette cérémonie, cette manifestation de cet après-midi, sans avoir une pensée particulière pour lui. Et un sommet de vous, on va nous recueillir pendant une petite minute en sa mémoire. Merci, le héros. D'aucuns ont certainement pensé que, suite à sa disparition, la chorale ne fonctionnerait plus. Bien, vous aurez le plaisir d'écouter et d'attendre cette chorale d'ici quelques minutes, parce que c'est prévu dans le planning de l'après-midi. Et bien évidemment, voyez-vous, je n'ai pas encore entendu le son, mais je suis en chair de poule. Et vous pouvez être un chien de coq, vous voyez. On va entendre le son magique. Un hommage à Alcide Bélair. Que je vois bien que Yol avait vu du gaz et hibiscus de la Ménopole de Ganil, quoi. Et nous aurons effectivement cet après-midi à entendre beaucoup de choses. Et vous allez suivre surtout une petite comédie musicale mise en place par Sonia et son équipe, que je vous demanderai effectivement d'être indulgent si vous constatez des faiblesses. Mais c'est normal, ce sont des artistes en herbe, mais avec un âge certain, n'est-ce pas?
Vous savez que lorsqu'on a un âge certain, la mémoire commence à... Voilà. Mais elle ne marche surtout pas lorsque je suis là. Quand je suis là, tout le monde retourne avec moi. N'est-ce pas? Hein? Attendez. Allons-y. Bien sûr, je ne suis pas l'animateur de cet après-midi, c'est ce vieux martel, ce vieux porteur là, ce vieux larvin, comme on dit, qui est l'animateur de service. Alors, quand même, quoi. Merci, monsieur le président. Merci d'avoir quand même avancé quelques mots que je voulais dire. Ça, c'est très bien, c'est formidable. Je vous demande d'applaudir encore. Applaudissez, monsieur le président, président de l'association de Réunion. Ben, pour cela. Mais, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite commencer les activités avec tout de suite la mise en place de la chorale de Trésignan. Les membres de cette chorale sont priés de venir par ici, s'il vous plaît. Ne vous bousculez pas, allez, venez prendre votre temps, venez, installez-vous, de manière à pouvoir être à l'aise pour pouvoir vous exprimer. Thank you.
Voilà, on n'a pas terminé. On continue, mesdames et messieurs. On est prêt, page 14, s'il vous plaît. Mon glace. Et sérieux, Magie. Gatipos a sui tribis,
chivati, perché sta calza di cipensi. Ti fa per la del tempo che fu, o simile di soli mai fatti, tra il sonno di tutto lamento, ti spiri, Signor, un concento. Entendons, 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 entendons
Light, light, light. We want
passé, rencontrer la marée du monde. Ah, pas de monde de Rivière, il y a une avec Justine, hein, Joseph, Sonia. Situation là, ça, 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 ça,
Matoussa, bébé. Matoussa. Mets ton cisé. Cisé. Pardon. Avant de cisé. Sans que les gens ne sont pas là, on va ouvrir le plan. Ah, attends, les gars. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
particulière pour les habitants. C'est une journée culturelle organisée par Trait d'Union. Donc, le club des aînés. Un petit peu plus sur cette journée. À vous la parole, Président. La parole, l'honneur aux femmes. Ah, bien sûr. Présentez-vous. Bien, et bien moi, c'est Sonia Tikou. Je suis la secrétaire générale du club, chargée de la commission culturelle. Et nous avons décidé, le club est en vacances, hein, mais avec l'accord du président, on a persévéré en disant non, on va quand même faire quelque chose parce qu'il y aura des vacances avec des habitants. Et les aînés, nous sommes là, bien entendu, c'est nous qui sommes là pour perpétuer la tradition. Voilà. C'est à cette occasion-là que cette journée a eu lieu. Je laisse la parole au président. Bien évidemment, Pierre Autorus, président du Club des aînés des habitants Trait d'Union. Oui, c'est une journée particulière, c'est vrai, puisque nous avons commémoré en début de séance la mémoire de notre co-responsable de la commission culturelle et chargé particulièrement de la co-alcool de Trait d'Union, Alcide Belair, qui est décédé il y a une quarantaine de jours. Mais aussi, c'est une journée particulière aussi parce que nous commémorons le lienage que nous avons eu avec Hibiscus de Gagny et Véducasse et Trait d'Union, ici même dans cette salle, il y a à peu près 3 ans. Donc, nous honorons tout ceci aujourd'hui. Une journée exceptionnelle puisque ce sont les membres du club en lienage à partir avec Véducasse qui ont œuvré pour pouvoir mettre en place cette comédie musicale. Et je dis, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est une journée que j'annonçais forte, belle, agréable. Oui, à l'heure où je vous parle, je peux dire que c'est une journée agréable et réussie, puisque on vient de voir en première partie le spectacle donné par nos aînés. Bien évidemment, on dit souvent quand on prend de l'âge, la mémoire s'en va, mais je constate que sans paperasse, sans lecture, les aînés ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour faire un spectacle vraiment honorable. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que à la deuxième partie, les seigneurs vont ouvrir encore la manifestation. Oui, voilà. La chorale va continuer. On aura aussi, bien vous allez le voir, effectivement, un lienage avec la jeunesse. Voilà. Il y aura la danse de Goka intergénérationnelle qui va probablement clôturer l'après-midi. Bien évidemment, j'espère, et c'était une première, j'espère que la commission culturelle continuera à œuvrer et pour renouveler cela, peut-être pas toutes les années, mais au moins tous les 2 ans, renouveler cela pour qu'on puisse continuer à avoir une activité avec nos aînés, parce que faire travailler nos aînés de manière à les permettre de sortir de leur solitude journalière à la maison, c'est quelque chose de très, très important. D'ailleurs, c'est l'article 1 des statuts du club. Voilà, donner des activités à nos aînés, abyssoises et abyssois. Et je le dis, puisque j'ai dit tout à l'heure dans une intervention, qu'il y a 20 ans, où nous avons été très dignes à été à l'archipel de Basse-Terre, présenter une pièce théâtrale qui était écrite par René Philogène et mise en scène par Alex Nabis. On a beaucoup de demandes pour renouveler cela. Donc, cette prestation cet après-midi me permet de dire qu'en tant que président, je vais remettre en place cet atelier théâtral et très certainement, dans 2 ou 3 ans, nous serons encore à l'archipel. Bravo. Merci, merci. Merci bien. Thank you.
présidente de la Sierra de Boca. Merci aussi à la mise de la Sierra de Boca. Et merci aussi à nos effets qui savent encore la Sierra de Boca. Merci à vos chers spectateurs, spectatrices. Et merci à vous tous de vous rejoindre à la dernière minute comme ça, et à tous les jours. Je veux la mise à l'avenir sur la terre générale de Mme Bourdieu. Mesdames et messieurs, nous avons vécu une première après-midi festive. J'espère que vous êtes satisfaits, que vous avez de tout vécu, que nos aînés sont encore là, et que nos aînés de Trévignon de la Coulombe sont là pour lutter contre l'isolement. C'est là notre objectif, vous permettre de sortir chez vous, de venir au club, de participer à nos différentes activités, à participer à nos différents ateliers, à vivre votre vie donnée, à ne pas rester cloîtré devant une télévision 18h et 24h par jour. C'est notre objectif. Nous attendons vos soucis à avoir la grande majorité, car celles qui font partie de la nouvelle génération sont âgées de 50 à 60 ans. Ils vont donc, ou elles vont donc, nous rejoindre très beaucoup. Je suis persuadé. Alors, tout cela, j'ai beaucoup d'espoir encore, vous, qui venez ici ce soir, qui êtes venus ici ce soir. Je suis persuadé que vous irez raconter ce que vous avez vécu cet après-midi. L'année prochaine, si vous voulez, nous allons peut-être renouveler cette manifestation. Merci beaucoup pour fort. Et je suis persuadé que vous serez doublement, triplement, gratuitement, plus venu à l'instar de Thierry Vivière. Merci à vous, chers amis à l'histoire. Merci à vous, chers amis à l'histoire. Merci encore une fois de ne pas oublier ma peur à quelque chose à dire. Juste à dire, monsieur, est-ce que ça vous a plu ce que Trévignon vous a présenté? Avec la condition de vous avez fait le spectacle, et je pense que ça vous a plu. Oui. Alors, rassurez-vous, je suis le président de la classe, un président formé, un président heureux. Je vois qu'à la reprise du 4 septembre, nous serons 5 fois plus nombreux à remplir cette salle pour nous accueillir et nos activités. Merci encore, bonne fin de journée à tous, bonne soirée à tous. Merci. Bye.
Oh,